9h, Grégory et Justine sur RTL 2. 8h05, bonjour à tous, c'est le double expresso RTL 2 du vendredi matin. Bonjour Justine. Et bonjour Greg, salut tout le monde. Qui dit vendredi dit invité, je vous demande d'applaudir très fort Axel Red et Icar qui sont nos invités. D'autres que nous, ce single que vous connaissez, que vous entendez sur RTL 2. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Top. Le réveil, ça a été? Je suis prête à me recoucher. Je vous trouve drôlement frais. Vous êtes arrivé à 7h du matin, souriant, pimpant. Ça fait plaisir. D'habitude, je suis très matinale et je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est on est au milieu de la nuit. C'est Paris, ça. À Bruxelles, tu te réveilles mieux. On est très heureux de vous accueillir. Oui, qui chante encore avec le coq. On est très heureux de vous accueillir ce matin pour ce single qu'on a découvert sur l'antenne, qu'on aime beaucoup. On a insisté pour vous avoir, nous, ce matin, parce qu'on voulait l'entendre en live, on voulait le proposer à nos auditrices et nos auditeurs, d'autres que nous. En plus, Axel nous fera aussi un cadeau avec l'un de ses classiques tout à l'heure en fin d'interview. Comment vous êtes rencontrés? C'est une histoire de maison de disques, si on sur le bord de l'autoroute. C'est vrai. En mangeant un sandwich Triangle, tous les deux, tranquille. C'est quoi? C'est une histoire de maison de disques? Il y en a un qui a pensé à l'autre? Comment? Parce que c'est ta chanson à l'origine. Ouais, c'était ma chanson à l'origine et que j'ai écrite devant le 14 boulevard Saint-Michel et je l'avais écrit comme un duo, mais j'avais jamais trouvé la personne vraiment avec qui chanter cette chanson. Et voilà, on a un éditeur commun et Antoine Datana, que je remercie pour cette rencontre merveilleuse, parce que voilà, il a évoqué plusieurs prénoms et je ne voulais pas une artiste du moment, une artiste qui ne faisait que passer. Je voulais une légende, je voulais une artiste éternelle pour une chanson que je voulais éternelle. T'as vu comment je vends le truc? Attends, si t'en fais des tonnes, le curseur j'en fais des tonnes. Ah, il est au bout. Il est au bout, j'ai cassé l'écran. Moi, je commence à grandir ici. T'étais bien assez grande. Et voilà, je voulais quelqu'un d'exceptionnel et elle me fait l'honneur immense d'être sur cette chanson. Et vous vous êtes trouvé coup de cœur. Mais de ouf. Et moi, je me suis, comment dire, je me suis laissé tenter. Je me dis, je vais pas réfléchir. Et j'ai juste eu un coup de cœur pour la chanson. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà, je trouve que c'est une magnifique chanson. Tu as écrit ça vraiment très, très bien. Et l'histoire, en fait. Voilà, elle te parlait ou pas, Axel? Parce que c'est les mots d'Icar, mais est-ce que tu arrivais à te projeter dedans? C'est les mots d'Icar, mais je dirais que. Je ne dis pas qu'on écrit 100% de la même façon, mais il y a quand même dans la sensibilité, il y a des choses que je retrouve dans mon écriture. Donc elle n'était pas très 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 loin de moi. Et effectivement, je me retrouve parce que je suis complètement de la vie qu'on vit les mêmes choses en fait. On vit les mêmes choses et c'est dans le partage, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans les douleurs. Je viens de perdre mon papa il n'y a pas longtemps. Et c'est là où on est humain et c'est là où on, ça prend tout son sens. Et c'est ce qui fait aussi le succès d'une chanson qui parle au public, au grand public, qui l'écoute évidemment, grâce à RTL 2, je précise quand même aussi. Hein. D'autres que nous, vous allez la chanter en live dans quelques instants. Ça, c'est pas nous là. Hein. Non, c'est pas vous là. Axel Red et Icar sont avec nous en direct ce matin dans le double expresso RTL 2. Ce matin, Axel Red et Icar sont nos invités, le live d'autres que nous dans quelques secondes. Et alors, cette chanson, elle évoque quoi, Icar? Tu nous disais que tu l'avais écrite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette chanson? C'est malheureusement une vraie histoire. J'habitais au 14 boulevard Saint-Michel et je sortais tard à l'époque et je passais devant le 14 boulevard Saint-Michel vers 3h du matin, il pleuvait et d'autres que nous vivaient chez moi au 4e étage. Je lève la tête, je les vois, un autre couple, donc je m'assieds sous le réverbère d'en face. Je vous jure que c'est une histoire vraie, c'est l'enfer. Et je prends mon téléphone et j'écris ça et en sifflant je compose et je rentre chez moi vite faire cette chanson que je ne voulais pas sortir. Et c'est Sevan Barsikian et Michael Goldman qui m'ont dit non, il faut que tu te débarrasses de cette histoire et qu'elle devienne l'histoire de tout le monde. Et en fait, c'est un peu une Madeleine de Proust géographique. Chacun a son 14 boulevard Saint-Michel, on a tous un endroit où on repasse et ça nous rappelle quelque chose. Bien sûr. Voilà. Bon, donc, bah, cette chanson, on va surtout l'entendre dans quelques secondes. D'autres que nous, Axel et Icar sont avec nous ce matin. Ils vont nous la chanter en direct. Vous bougez pas, c'est dans quelques secondes sur RTL 2. 8h16, c'est le double expresso RTL 2 en direct avec Axel Red et Icar qui nous font l'amitié d'être avec nous ce matin. On en parlait il y a quelques secondes, c'est le moment du live. Allez. D'autres que nous, en direct sur RTL 2, c'est à vous. 1, 2, 3, 4. Là. La 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 la. Les murs se souviennent-ils de nous, de nos promesses? Il m'arrive de me rendre à l'adresse de notre grand amour. Je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre, confiant sourire au coin des lèvres, et puis je lève la tête. Je vois qu'il y a de la lumière, d'autres que nous. Ils passeront leur nuit d'hiver au coin du feu doux.
D'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. D'autres que nous ferons la guerre ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous ferons pareil. 14 boulevard Saint-Michel. Les voisins se souviennent-ils de nous, de notre tendresse? Je retourne à notre ancienne adresse pour en découdre. Le digicode n'est plus le même, la gardienne à la retraite. Alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de lumière. D'autres comme nous, fleur de chagrin sous un réverbère, loin d'un feu doux. D'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. D'autres que nous ferons la guerre ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous ferons pareil. 14 boulevard Saint-Michel. On n'avait rien, on était tout. On était nous. On n'avait rien, mais on était tout. Comme d'autres avant nous. D'autres comme nous, on fait l'amour sous ces fenêtres. D'autres comme nous, avec une longue nuit de fête. D'autres comme nous, on fait la guerre. Oui, mais peut-être s'aimeront-ils pour toujours. La vie était tellement plus belle. 14 boulevard Saint-Michel. La vie était tellement plus belle. 14 boulevard Saint-Michel. Axel Red, bravo, bravo, bravo. Revenez nous rejoindre, venez nous rejoindre, revenez autour de la table pour ce très très beau live. J'étais un peu hypnotisée, moi. Mais moi complètement. Ah ouais, je vous regardais les yeux grands ouverts, la bouche ouverte. Il faut qu'on vous dise un truc avec Justine et tous les autres animateurs. On est habitués à entendre des chansons. On ne peut pas dire qu'on sait ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. On n'aura pas cette prétention-là, mais commence à avoir assez d'expérience pour connaître les chansons qui vont rentrer dans la catégorie tube ou qui vont émouvoir les gens. Cette chanson-là, quand on l'a entendue, on s'est dit c'est pas possible. Il va se passer un truc. Il se passe ce truc. Vous avez ce côté, je trouve que le mot de Justine est bon, hypnotisant. Ah, vraiment. Vous êtes vraiment en accord. Merci. Tous les deux. Hein. Sans être prétentieux, de toute façon, c'est toi qui l'a écrit, mais j'appelle l'hymne de la séparation. Et cet hymne de la séparation a été aussi. Voilà, il nous a accompagnés au clavier, Dominique Vantôme. Voilà, donc c'était pour le remercier. Il est venu avec Axel. Mais en fait, pour moi aussi, une des raisons pourquoi je voulais faire ce duo, c'est en fait, c'est pas évident que deux voix aillent ensemble. Des fois, il faut que les tonalités, qu'on soit beau chacun dans les tonalités qui nous correspondent. Et voilà. On va continuer à parler avec vous, évidemment. Axel Red et Icar sont nos invités jusqu'à 9h20. Et Axel, d'ailleurs, nous offrira l'un de ses classiques tout à l'heure, également en direct, dans le double expresso RTL2. On vous offre une petite pause pour vous remettre de vos émotions. C'est la tradition, évidemment, dans cette émission, Justine, l'horoscope lu par nos invités du vendredi. Et Axel Red et Icar se prêtent au jeu ce matin. C'est parti avec les médailles de bronze et les béliers. Vous êtes au bout du rouleau, vous avez besoin de repos, les béliers. Vierge. Le monde vous agace aujourd'hui, mieux vaut ne pas croiser votre chemin. Et les scorpions. Vous avez l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il en faut pourtant peu pour être heureux. Médaille d'argent, un peu mieux pour les taureaux. Les taureaux, vous êtes polyvalents, une qualité que tout le monde a bien remarqué. Gémeaux. Vous carburez en ce moment une vraie pile électrique, Icar. Les cancers. Les cancers, comme Anna, son chauffeur Uber qui était à fond, qui s'appelle Obélix 91 et qui nous écoute. Vous avez décidé de faire tomber le masque et vous n'avez jamais été aussi heureux. On l'embrasse d'ailleurs. Les lions. Vous pouvez compter sur vos proches, les lions. Ils ne vous lâcheront pas. Balance. Les balances. Vous allez faire de bonnes affaires aujourd'hui, les balances.
Les Sagittaires. Ça, c'est sûr. Vous savez montrer les crocs quand il le faut. Vous ne risquez pas de vous faire marcher dessus. Les Capricornes. Les Capricornes. Maman, un seul mot pour vous, les Capricornes. L'amour, vous êtes en plein dedans. Verseau. Vous l'avez entendu. Vous l'avez attendu. Et il pointe enfin le bout de son nez. Oui, c'est bien le week-end que vous voyez au bout de cette journée. Et médaille d'or, nos champions du jour, ce sont les Poissons aujourd'hui. Les Poissons, bien entourés, en pleine forme, épanouis au travail. C'est simple, vous ne manquez de rien. Les Poissons, vous ne risquez pas de perdre le sourire. Voilà pour l'horoscope made in Axel Red et Icar. Bravo. J'aimerais bien être Poisson au moins. On peut pas changer. Axel Red et Icar sont avec nous ce matin. Tous les deux, vous êtes trouvés ce que vous nous disiez tout à l'heure. Est-ce que ça annonce d'autres titres ensemble de la scène aussi peut-être? Plein de choses, mais en fait, au mois de juin déjà, on a eu envie de composer d'autres chansons et, ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et on ne sait pas encore si on va les donner à d'autres gens ou en faire autre chose, mais on a cette sensibilité, je trouve, qui... On fait des chansons et voilà, déjà j'ai envie d'être sur scène avec elle déjà demain pour ceux qui sont à Lille. C'est au Splendide. Axel va venir, c'est complet, c'est génial. Et on a envie d'être sur scène ensemble, donc on fait des chansons. Et moi, j'ai envie qu'on soit plus souvent sur scène ensemble. Donc si l'album est un prétexte pour être sur scène, on en fera un, c'est pas un problème. Génial, bonne nouvelle ça. Tu parlais de Lille, tu seras aussi le 14 décembre à Rieux-le-Pape, c'est du côté de Lyon, et le 13 mars à Lens pour la prochaine fois. Et puis Axel sera à Moucron, chez toi en Belgique, le 27 février prochain. Toutes les infos disponibles aussi sur RTL2.fr. On va écouter parce que c'est toi. Et un thé classique, Axel, tu vas nous l'offrir avec le piano voix. Merci, on peut l'applaudir. Bravo, bravo. Et c'est vrai que tout à l'heure, Icar, tu parlais de t'as employé le mot légende, en tout cas, mais c'est vrai qu'Axel Red, elle fait partie de notre vie maintenant depuis un long moment. Elle touche le cœur des gens. Et je pense que quand on va écouter cette chanson, c'est ma chanson préférée d'Axel Red. Bah voilà, moi aussi, je suis ravi, c'est un vrai cadeau. Tu vois, merci tu vas beaucoup, faire des heureux et des heureuses. Axel Red, en live dans le double Expresso RTL 2. Détail pour une futilité, n'aie pas peur, je saurais bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi. Vraiment, pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde sans. Si tu crois un jour tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. Oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, ces désirs, tes endroits de ton corps. Qui me disent encore, parce que nous c'est fort. Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que c'est toi, je voulais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi, je veux te voir dedans. Je verrai dans ses yeux tous ses petits défauts. Parce que parfait n'est plus mon créneau. Thank you.
Axel Red, et parce que c'est toi plus fort. Merci beaucoup pour ce très beau cadeau, Axel. Merci beaucoup de nous avoir joué ce morceau culte de ton répertoire, parce que c'est toi qui es la chanson préférée de Justine et de Icar d'ailleurs. Ça tombe extrêmement bien. Un grand merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci. C'était un plaisir merci, de vous accueillir. Bravo. C'est très chouette de vous rencontrer ce matin dans le Double Expresso RTL2. On vous suivra évidemment de très près. On espère d'autres collaborations pour vous recevoir à nouveau. J'espère aussi. Merci pour ces deux magnifiques lives. Voilà, merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous les deux.